Ursus, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Tu ne vois pas que c'est affaire de Lance? Si tu le sais, pourquoi me le demandes-tu? Je voulais savoir à quel point tu es menteur. Non, j'y connais rien, au Lance. Je sais que t'es un grand guerrier. Non, j'ai jamais été qu'un paysan comme notre père. Allez, travaillons maintenant. J'en peux plus, je suis fatigué. Bon, très bien. On va se reposer un instant. Allez, Dario, mange. Et il faut rien laisser, hein? Non, je n'ai pas d'appétit. Allez, du courage. C'est en mangeant que tu deviendras, comme moi, grand et fort. Et si je mange, je serai un soldat comme toi? Non, j'ai jamais été autre chose qu'un paysan, et c'est ça que je veux faire de toi. Alors je n'ai pas envie de devenir grand et fort. Je veux pas manger. Allez, fais ce que je te dis. Allez, mange. Oh! Oh! C'est lui. Comment allez-vous? Nous venons te chercher. La princesse Syrah désire te parler. La princesse? Nous faisons partie de son escorte. Nous avons dressé notre camp à 3 lieues d'ici. Rien, Lydia. Il viendra, n'ayez crainte. Voilà Lycurgue. La chaleur est passée à présent, princesse. Nous pouvons peut-être reprendre notre route. Pas encore, Lycurgue. Il n'y a plus de raison de prolonger la halte. Les chevaux et les hommes ont eu le temps de se reposer. Je ne saurais quitter le royaume de mon père sans avoir salué quelqu'un qui m'est cher. Ursus? Pourquoi? Comment le sais-tu? Je n'ignore pas qu'il est maître d'une terre non loin d'ici. Oui, précisément. Et c'est d'ailleurs pourquoi je pensais à le faire appeler. Mais rien n'est plus normal, Altesse. Je sais, Lycurgue, c'est normal. Nul ne saurait me reprocher de dire adieu à un homme qui m'a été aussi dévoué. Le voilà, c'est lui!
toutes ses grées d'être venu, Ursus. Tu peux toujours compter sur ton ami le plus fidèle. Je voulais te voir, te dire que je regrette que mon père se soit montré si ingrat envers toi. Au contraire, Syrah, si mon frère et moi pouvons vivre sans souci, c'est bien grâce à la terre dont il nous a fait présent. Oui, mais les services que tu lui as rendus au combat méritaient mieux que cela. Je n'avais pas d'autre désir de récompense. Tu es généreux et désintéressé. Tu oublies que ton père est mon roi. Et tu oublies que mon père a été terriblement injuste en te chassant. Non, c'était ma faute. J'avais manqué d'humilité en visant si haut. Mais tu l'as fait parce que je t'aimais. Tu commettais une erreur. Tu es fille de roi. Et hélas, le destin t'a contraint d'épouser un roi. Zagros est un très grand monarque. Tu connais donc le motif de mon voyage? Je l'ai appris tout à l'heure par les soldats de ton escorte. Ah. Je ne sais si je serai heureuse. Je te souhaite de trouver le bonheur, du fond du cœur. À toi aussi, Ursus. À toi aussi, je souhaite d'être heureux. Adieu, ma princesse. Adieu, Ursus. Que fais-tu ici? Pourquoi as-tu quitté la ferme? Oh, oh! Il ne faut pas me gronder, Ursus. J'ai vu des hommes à cheval s'approcher et je suis venu vite te prévenir. J'ai l'impression que c'était des bandits. Des bandits? Et où les as-tu vus? Explique-moi. Là! Et naturellement, ils ont disparu. Je les ai vus partir, sont allés par là. On dirait que tu as raison. Tu as dit la vérité. Allez! Tu sais aussi bien que moi que c'est toi le plus grand menteur de la famille. Attends-moi, Ursus! Ursus, attends-moi, voyons, je te promets de t'écouter. Les joyaux de la dot, ces canailles ont tout emporté en s'enfuyant. Mais j'aurais pu y laisser la vie aussi, sans l'arrivée inespérée d'Ursus. Votre escorte est décimée. Croyez-vous qu'il soit prudent de repartir aussi peu protégé? Oh non, j'ai peur. Ces bandits viendront peut-être à la charge. Mais dans quel but? Ces bandits doivent être satisfaits. Il ne reste plus rien à voler.
Si tu me le permets, princesse, je vous escorterai tous jusqu'au palais de Zagros. Oh, merci, Ursus. Merci. Je ne peux pas aller plus vite. Le bac est trop chargé. Il fallait pas vous obstiner à faire monter les chevaux. Ils doivent l'aider. Accoste au parapet. Débarquez les chevaux. Faites vite. Mais qui va me payer ? Donne-lui le prix convenu. Oh! Oh! Et maintenant, va le remplacer. Allons, ne reste pas là. Il est nécessaire que la femme meure. Il faut simuler un accident. Il est temps de passer de l'autre côté. N'oublie rien de ce que tu dois faire. Au loin, là-bas, c'est le bac de Mirza. Et de l'autre côté, nous serons dans le royaume de Kari. Nous serons sous la protection des soldats de Zagros et nous n'aurons plus rien à craindre. Je ne craignais rien non plus sur les chemins de notre royaume, mais nous sommes quand même tombés dans la plus grave embuscade dont j'ai jamais entendu parler. Mettez-vous à l'abri! Il faut user la corde au maximum. Fais-le habilement. Entendu. Faut pas qu'il le sache tout de suite. Comme ça, ça va. Attention, les voilà! Souffle, mais elle semble assez solide. Il n'y a pas de risque, j'ai passé des chars bien plus lourds que les vôtres. Bon, il faudra faire plusieurs voyages. Nous commencerons par Syrah et Lydia, toi aussi, les Kurgs, avec 6 esclaves pour la première traversée. Et toi, je veux que tu restes à mes côtés, hein, Dario? Faites aussi monter 2 chevaux, il y a de la place. Quand l'orage se prépare, il va falloir se dépêcher. Allez-y, poussez! Le vent, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Y a rien à faire. Le
Le coup est raté. Il faut renoncer. Partons! Jetez-moi une corde! Bravo, Ursus! Tu as vu Dario! Regarde comme ton frère est fort, Dario. Regarde. Je n'aurais jamais dû te faire confiance, chien. Ce qui t'intéressait, tu as réussi à t'en emparer. Tu t'es gardé de laisser échapper les joyaux de la dot. Je t'ai obéi. Tu le sais bien, j'ai obéi fidèlement à tes ordres. Fidèlement, dis-tu, canaille. Mais Syrah est vivante. Allons, notre plan était assez clair. Tu gardais les joyaux et tu me donnais la vie de Syrah. Nul ne peut rien contre ce géant qui assure sa protection. Tu voudrais me faire croire qu'un seul homme a réussi à se défaire de toute la bande? Et c'est un homme dont la force égale celle de 100 hommes. Sache que Ramos est fort lui aussi, et il saura te donner la punition que tu mérites. Pitié, maîtresse, pitié. J'ai été fidèle. Je te jure que je n'ai jamais pensé qu'à te servir. Non, non. Un coup pour chacun de ces mensonges, Ramos. Non, pitié. Fouette-le, je veux le voir. Non, pitié. Grand roi Zagros, je te présente les salutations de mon roi et je t'apporte le joyau le plus beau de son royaume. Bienvenue parmi nous, Syrah, fille du grand roi Altéos. Bienvenue dans un royaume qui est le tien dès aujourd'hui. Et merci à toi, noble Lycurgue, l'ami fidèle qui l'a protégé durant ce long voyage. Remercie aussi et surtout Ursus. Il a bien mérité de notre reconnaissance, car c'est sa présence qui nous a permis d'arriver jusqu'à toi. Ce que tu as fait pour ma future épouse justifie une récompense, Ursus. Dis-nous ce que tu souhaites. Pour moi, je ne demande rien. Le seul vœu que je forme est le bonheur de ma princesse. Considère qu'il est exaucé. Dans notre palais, désormais, la princesse Syrah sera reine et maîtresse. Elle sera entourée de l'amitié dévouée de ceux qui ne songent qu'à son bonheur. Ah, voici Sabra, ma cousine et ma filleule. Elle m'a été remise en garde par son père en mourant. Et je voudrais qu'entre vous naisse l'affection de deux sœurs. Mon amitié lui est acquise dès maintenant. Je t'en suis très reconnaissante. Je suis heureuse qu'il y ait désormais une femme de plus à la cour de Zagros. Ce palais est si grand que je t'attendais avec impatience. Dès notre retour, je serai heureux d'apporter ces bonnes nouvelles à mon roi. Il est temps que je m'en aille. Non, tu restes avec nous. Vous êtes mes invités. Et ce soir, je donnerai une fête en votre honneur. Thank you.
cette heure-ci, les enfants devraient dormir. Les enfants, oui, mais je suis un homme, moi. Non. Et depuis quand? Depuis que j'ai combattu aux côtés d'Ursus. Alors viens, il est quand même temps de te mettre au lit, jeune homme. Tu as refusé ce matin la récompense que je croyais devoir t'offrir, Ursus. N'aurais-tu pas changé d'avis par hasard? Non, Zagros. Tiens, regarde ces jeunes femmes. Si Zagros te disait, prends celle que tu veux, choisis parmi elles ton épouse, que ferais-tu? La femme que j'aime, tu ne pourrais pas me la donner. Ursus déteste que l'on plaisante avec les questions sentimentales. Ainsi, notre géant est amoureux. Ce doit être un amour gigantesque comme lui. Assez! Tu oublies que tu es devant un roi. Et toi, Zagros, tu oublies qu'on ne se moque pas de son invité. Ah, ce n'était rien d'autre qu'une plaisanterie. Si elle t'a déplu, j'en suis navré. Allons, les musiciens, vos instruments, allons. Allons, oublie tout ça et amuse-toi. Avec ta permission, je voudrais pouvoir me retirer. Fais comme il te plaît, Ursus. Dis-moi où je me trompe fort, ou ma tourterelle a beaucoup de sympathie pour cette brute. Si l'admiration d'une femme pour la force peut être à la rigueur prise pour de la sympathie. Ah, alors, cesse de faire des discours au moindre prétexte, ça n'a aucune importance. Passons à côté, viens, nous avons autre chose à faire qu'à nous occuper de ce paysan. Fermé. Sabra est-elle au courant de tes plans? Je lui ai laissé entendre que ce mariage m'était imposé par la raison d'État. Oui, mais si tu lui laisses ignorer laquelle, tu ne calmeras guère sa jalousie. Sa langue de vipère et sa faconde sont plus à craindre que sa jalousie. Pour que les secrets ne soient pas divulgués, il n'y a qu'un moyen, la faire taire à tout prix. Il n'y a personne qui soit au courant dehors de moi? Oh, si tu ne m'étais pas nécessaire, si tu ne m'étais pas indispensable, tu ne saurais rien non plus. Il est assez normal qu'il en soit ainsi. C'est moi qui devrais agir au moment opportun. Et tu le feras. Tu le feras parce que tu sais quelle récompense t'attend. L'aide que tu me donneras, je te la rembourserai bien au-delà de ce qu'a pu t'offrir Altéos durant toutes les années que tu as passées à son service. Oh, mais j'en suis certain. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis à ton côté, pour aucun autre motif. Parfait, j'adore ta franchise. Devant toi, la franchise n'est pas difficile, Zagros, puisque la soif que j'ai de richesse vaut ta soif de pouvoir. L'homme qui nous a traversé la rivière n'était pas le passeur. Et qui était-ce? Un assassin. Avec ses complices, il a tué mon père. Mais tu es sûr que la corde du bac avait été tailladée? J'en suis certain. Il y a donc certainement quelqu'un qui voulait notre mort. En tout cas, celle de l'un d'entre nous. Syrah? Ni toi ni moi ne méritons un pareil honneur. Mais qui peut avoir intérêt à faire ça? Je n'en sais rien, mais tu vas devoir rendre un service de plus à ta princesse. Parle. Retourne au royaume d'Ocarie le plus vite possible et avertis Zagros qu'un immense danger menace Syrah. Elle a besoin de son aide. Très bien. Viens, Dario. Tu tombes de sommeil, mon pauvre Dario. Oui, et ce qui est pire, c'est que j'ai terriblement faim. Bien, nous ferons halte à la première taverne. Non, Ursus. Chacune des heures que nous perdons pourrait coûter la vie à Syrah. Les chevaux sont épuisés, il va bien falloir qu'ils se reposent, eux aussi. À mon avis, c'est le moment où jamais... Alors tais-toi. Je vous dis que c'est encore trop tôt. Zagros est bien trop fort. Et parlez pas comme ça dans ce pays, c'est rempli d'espions. Thank you.
À manger et à boire. Et il nous faut deux chevaux frais. Deux chevaux à 7 heures? Impossible. J'ai besoin de deux chevaux, à n'importe quel prix. Tu as beaucoup d'argent? Oh, moi non, mais Zagro s'en a. Tu veux dire que les chevaux, c'est pour le compte du roi? Bien sûr, c'est un ami à nous. Ah oui. Ah, bravo. Des amis de notre roi, hein? Peut-être. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Espions amis de Zagro, s'il a dit qu'il voulait deux chevaux frais. Alors, il te faut deux chevaux, hein? Oui. Ursus! Oh, agneau! Eh bien, qu'est-ce qui te fait rire? C'est plutôt moi qui te fais rire de le voir devenu tavernier. Ah, si tu savais! Si tu savais ce qu'il s'était imaginé à ton sujet! Ah, je connais Ursus depuis qu'il était haut comme ça. Je vous assure qu'il n'a jamais été un ami de cet affreux despote. Ah. Excuse-nous, Ursus, puisque c'est ainsi, tu vas venir boire avec nous. Avec plaisir. Ah, on pensait que tu pouvais, enfin, on croyait que tu étais un espion. Ce n'était pas notre faute, c'est le gosse qui nous avait dit que vous étiez des amis de Zagros. Eh oui, mon frère est encore un enfant, alors il lui arrive de dire n'importe quoi. Non, le but de notre voyage est de remettre à Zagros un message qui lui est destiné. Mais c'est à vous que vont nos sympathies. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ursus est l'homme le plus généreux que j'ai rencontré. Il est incapable de se lier avec un tyran aussi abominable que ce monstre de Zagros. En d'autres termes, il est loin d'être aimé de son peuple. Attention, Agneau. Ouais. Voilà les soldats. S'ils viennent ici pour nous, tu vas être arrêté aussi. Pourquoi? Qu'êtes-vous donc? Des gens qui en ont assez de la tyrannie de Zagros. Mais c'est parfait, agneau. Si on te fait une petite visite, on est sûr de trouver quelqu'un dont la place est en prison. Qu'avez-vous à reprocher à mes amis? Je les connais assez bien, agneau. Je sais que c'est eux qui, avec leurs mensonges, provoquent les manifestations de révolte parmi la population. Nous avons l'ordre de vous arrêter. Dans mon pays, il faudrait des accusations un peu plus précises pour pouvoir arrêter les gens. Tu es étranger? Oui, je suis paysan de Lissy. Il y a de la place dans les geôles de Carrie pour les gens comme toi, tu sais. Moi, je pense pas que j'en profiterai. Jamais sûr pour toi et pour nous. Il faut qu'on parte aussi rapidement que possible. Venez. Alors partons. Vous n'êtes pas des soldats, non? Vous êtes des lâches. Je vous ferai couper les mains, puisqu'elles ne vous servent à rien. Nous sommes battus, je te le jure. Mais ce géant est invincible. Sortez tous! Emmenez-les à la prison! Un géant. C'est la peur, oui. Il voit un géant dans chaque ennemi. Je crois que tu oublies le géant Ursus. Non, tu sais très bien qu'il est reparti sur sa terre. Mais il pourrait être de retour aujourd'hui. Et dans quel but? Si tu avais vu comme il regardait la princesse Syrah. Toi, tais-toi! Je pensais seulement te mettre en garde. Tu voudrais me faire croire qu'Ursus seul a réussi à mettre en fuite toute une escouade. Songe un peu que tout seul, il s'est débarrassé de la bande d'Andros. Andros? Comment as-tu fait pour savoir que c'est Andros qui a attaqué la caravane de Syrah? Ma foi, je l'ai entendu dire. Je ne le savais même pas. Cela prouve que tes informateurs sont peut-être moins bien renseignés que les miens. Tu as entendu?
Qu'est-ce que tu en penses? La nuit dernière, les deux gardes ont vu une ombre qui se glissait dans la chambre de Syrah. Ils ont couru et l'ombre a disparu. Mais ils croient bien qu'il devait s'agir de Ramos, l'esclave noir de Sabra. Ah oui? Bon, très bien. Afro, cette nuit, je ne veux voir aucun garde devant la porte de Syrah. Mais elle va être en danger. Fais comme je te l'ordonne. Kurg, notre grand et bien-aimé roi Altéos, désire connaître aussitôt que possible tous les détails de ton voyage. Oh, il fut assez fertile en incidents. J'en ramène au moins une conviction. Le roi Zagros est certainement le meilleur et le plus aimable mari que la princesse Syrah pouvait rencontrer. Au cours du voyage, des bandits nous ont attaqués, mais les dieux se sont chargés de la protection de la fille d'Altéos. Et aussi la valeur de mes soldats, j'espère. Oh, sans doute. Plusieurs, hélas, sont morts courageusement en défendant Syrah. Ainsi donc, le sang a coulé. Je crains que ce ne soit pas un présage heureux. Il ne présage rien de mauvais d'une telle aventure. Lycurg, mon cher ami, tu sais quelle tendre affection j'ai pour Syrah. Et tu sais quelle sincère dévotion j'ai pour toi. Es-tu sûr que Zagros la rendra vraiment heureuse? Oh, absolument, j'en suis convaincu. Syrah pourra régner sur un grand peuple, et auprès d'elle, elle aura un homme qui saura bien la protéger. Mm-hmm. Merci, Lycurg. La confiance que j'ai placée en toi me permet de croire que tu as peut-être raison. Merci. Je dois vous quitter, mes amis. Je le regrette, mais chaque heure qui passe peut être fatale à ma princesse. Sois raisonnable, Ursus. Au palais, il y a de grandes chances pour que tu tombes dans un piège. Zagros ne te pardonnera jamais ton geste de révolte. Peu importe, Zagros. Mais tes amis vont trembler de peur pour toi. Non, ne craignez rien, je serai prudent. J'entrerai au palais et j'essaierai de voir la princesse Syrah sans que personne ne le sache. Tu utiliseras un déguisement? Oui. Ta haute taille te trahira, Ursus. Aucun homme ne peut être confondu avec toi. Mais un de nous passerait inaperçu. C'est certain. Mmh. Lequel des choux est le plus rapide? C'est le gris, là. Eh bien, il faut lui donner à manger. Il va faire un long voyage avec mon frère. Bon. Retirez, Zagros, je me sens très lasse. Mais oui, tu as raison, ma chère Syrah. Tu aurais tort de veiller pour des jeux aussi ennuyeux, d'ailleurs. Retire-toi donc, ma chère, et que tes rêves soient doux. Thank you.
nous conduis-tu ici? Parce que c'est dans cette chambre que vous passerez la nuit. Qu'est-ce que cela signifie? Zagros désire qu'il en soit ainsi. Les désirs de Zagros sont sans doute des ordres pour toi, mais pas pour moi. Je veux retourner dans ma chambre. Non, crois-moi, resplendissante Syrah. Il vaut mieux pour toi que tu dormes ici, pour cette nuit. Puis-je garder Lydia auprès de moi selon des ordres? Tu peux faire tout ce qu'il te plaira de faire, sauf t'en aller. Mais que signifie cette réclusion? Je n'en sais rien. Je me le demande. Peut-être ont-ils aperçu le jeune garçon et ils veulent m'empêcher de le voir. Oh, mais non. S'ils ont remarqué Dario, il était beaucoup plus simple de l'arrêter. Ça suffit. Tu ne t'attendais pas à cet accueil, hein? Qui t'a envoyé ici? Qui est ta maîtresse? Nous verrons bien si 100 coups de fouet ne délieront pas la langue. Inutile de t'attaquer à lui, Zagros. Tout ce qu'a fait Ramos, il l'a fait pour suivre mes ordres. C'est donc toi qui as comploté tout cela. Tu le sais parfaitement. Allez, disparais! Alors, que croyais-tu faire en te débarrassant de Syrah? Éliminer ma rivale. Tu sais bien que tu n'as pas de rivale. Celle qui sera ta femme est ma rivale. Je t'ai dit que ce mariage m'est imposé pour des raisons politiques. Elle n'en sera pas moins ta femme quand tu l'auras épousée. Mais quand je l'aurai épousée, je deviendrai l'héritier légitime du trône d'Altéos. Te rends-tu compte de ce que cela veut dire? Mais songe un instant la puissance qui va être la nôtre. Une fois mariée, mon emprise ira des terres de la Carie à celle de la Lycie, et j'en ferai un seul et grand royaume. Il faudra attendre la mort d'Altéos. Altéos. Altéos mourra bientôt. Il mourra quand je l'aurai décidé. Il y a déjà à sa cour une main prête à frapper. Elle n'attend que mon ordre. Dès que j'aurai épousé Syrah, Altéos mourra. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je n'aurais jamais dû te raconter tout cela. Au lieu de te révéler tous mes secrets, j'aurais dû te faire égorger par mon fidèle ami. Crois-tu que je ne te sois pas fidèle? Je t'aime, Zagros. Quoi que j'ai pu faire, je l'ai fait parce que je t'aime. Je le sais. Regarde, le voilà qui revient. Tu vas savoir à quoi t'en tenir maintenant. Allons-y. Salut, mes amis. Et le bienvenu, Adio. Quelle nouvelle nous apportes-tu? Raconte. J'ai bien peu de choses à vous apprendre. D'après ce que j'ai entendu dire, il semblerait qu'il y ait eu une nuit mouvementée à la cour de Zagros. Quelqu'un a tenté d'assassiner Syrah. Quoi? Mais Zagros veillait.
Donc elle est saine et sauve. On t'a parlé de mon frère ? Je n'ai aucune nouvelle, mais c'est assez bon signe. Ça doit vouloir dire qu'on ne s'est pas encore rendu compte qu'il était là. Et maintenant, allons-nous-en. Je t'assure, c'est ce que j'ai entendu de ma cachette, ma chère princesse. J'étais réfugiée dans la grosse jarre. Je voulais échapper à la panthère et j'ai tout entendu ce qu'il disait. C'est Ursus qui t'envoyait nous prévenir qu'un danger nous menaçait. Oui, enfin, c'est moi qui ai décidé ça plutôt. Ce n'est pas nous qui sommes le plus en danger, c'est mon père. Surtout après mon mariage avec Zagros. C'est vrai. Il faut t'enfuir. Ce sera assez difficile. Non, je vais aller chercher Ursus. Il saura bien vous libérer, lui. Non, Dario. Il est plus urgent d'aller prévenir mon père. Il faut qu'il soit averti de la menace qui pèse sur lui. Mais ils nous seront abandonnés entre les mains de ce monstre. Tu peux être sûr que Zagros ne nous fera rien. Car ma vie est extrêmement précieuse pour lui, tant qu'il ne m'aura pas épousée. Il lui est nécessaire de m'épouser pour achever ses plans. Mais les noces sont proches, Syrah. Non, car ces noces ne se feront jamais. Avancez, Carin, dépêchez-vous un peu. Si seulement je tenais ici la tête d'Ursus. Tu n'arriverais pas à la casser. C'est la pierre qui se fendrait plutôt. Avancez, Gredin ! Allez, un peu de terre ! Remuez-vous ! Ici, vite. Dans cette direction, il y a une porte qui donne sur la rue. Va-t'en. Plus vite ! Dormez ! Garde, c'est le gosse de la taverne. Je sens que c'est lui que j'ai vu avec un géant. C'est un ennemi de Zagros ! Prenez-le, ne le laissez pas échapper ! Arrête-toi ! Vas-tu t'arrêter ? Garde-moi ! À où croyais-tu aller comme ça ? Aïe ! Lâchez-moi ! Tranquille ! Lâchez-moi ! Carrel. Lâchez-moi ! Non, avance, ah. Morveux ! Alors, vas-tu me dire où se cache Ursus ? Tu es un garçon obstiné. Pourquoi veux-tu m'obliger à utiliser le fouet comme si j'avais affaire à un homme ? Parce que je suis un homme. Ah oui. Et tu le seras encore quand je t'aurai fait égorger par cette bête ? Je ne trahirai jamais mon frère. On verra bien. Non, Zagros ! Tu ne peux faire cela. Souviens-toi que c'est un sujet de mon père et un de mes amis aussi. Et toi, rappelle-toi que son frère est mon ennemi. Ursus n'est pas mon sujet. Mais il a eu l'impudence de violer la loi et de massacrer mes soldats. Ça ne justifie tout de même pas que tu t'en prennes à un enfant. Je ne lui ferai aucun mal. Il mourra dans 3 jours si Ursus ne s'est pas rendu. Faites annoncer cette décision. Qu'on prévienne les héros. Je lui donne 3 jours, rien de plus. Où est mon frère ? Ne t'inquiète pas, il va bien. Je veux voir mon frère. Si tu restes tranquille, il ne lui arrivera rien. Dario ? Dario ! Il ne peut rien entendre. Les prisons de Zagros sont trop grandes. Vous, les valeureux guerriers qui ont réussi l'exploit de se faire battre par un seul homme. Ce n'était pas un homme ordinaire. Vous êtes le déshonneur de mon armée. Mais je suis généreux et je vous offre la possibilité de racheter cette faute. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Vous combattrez une nouvelle fois contre cet Ursus. Et cette fois devant moi. Si vous êtes vainqueur, vous serez libéré. Si vous perdez, il n'y aura pas de pardon. Je vous ferai trancher la tête. À tous! Tu m'as fait appeler? Oui.
Les divertissements sont très rares à ma cour, il faut bien le dire. Et c'est pourquoi j'ai voulu te faire assister à ce spectacle insolite. Ce genre de représentation n'est pas de mon goût. Tu crains sans doute de voir la défaite d'Ursus. Ursus vaincra. Si c'est le cas, je n'aurai pas de pitié pour mes hommes. Allez-y! Avancez, bande de lâches! Vous préféreriez-vous mourir à coup de fouet? Attaquez-le de long! Et un peu pitié de nous, Ursus. Ça ne te rapportera rien de gagner. Mais nous, nous mourrons. Bravo! Bravo! C'est ainsi que je voulais vous voir combattre, comme vous l'avez fait dans le passé, en valeureux soldat de notre royaume. Emportez-le! Merci, Ursus. Nous n'oublierons jamais ce que tu as fait là. Dis aux autres qu'ils se reposent un peu. Qu'ils s'appuient sur la poutre sans se fatiguer. À moi tout seul, j'arriverai à pousser. Tu perds le rodin au lieu de travailler. Poussez plus fort. Aussi, là. De l'énergie. Si je mets ta force, je briserai ses chaînes et je lui ferai manger son fouet, cette espèce de salaud. Si tu avais un frère entre les mains de Zagros, tu n'aurais pas le choix. Tu accepterais comme moi. Avancez! Je ne veux rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas faim? Ah, je vois. Tu veux peut-être embêter Zagros en te laissant mourir d'inanition. Tu t'imagines que ça lui déplairait? C'est répugnant, je ne veux pas y toucher. Eh bien, tu as tort. Aujourd'hui, c'est excellent. Et Zagros y a même ajouté un peu de vin. Du vin? Mais c'est vrai, ma parole. Mais alors, il se fichait pas de nous? Il paraît que non. Ça fait déjà plus de 20 ans que je moisis dans cette maudite prison et ça m'était jamais arrivé encore. Attention, il est peut-être empoisonné. La belle blague qui nous ferait là. Moi, ça m'est bien égal. Je préfère encore mourir comme ça, l'estomac rempli de vin. Dis, il n'y a aucun poison, laisse-en un peu. Ah, laisse-en, à moi. Buvez. Ah, non, pas toi, tu ne sais pas boire, tu te saoules. Allez, bois un peu aussi, mon vieux, viens. Voilà, j'ai déjà bu. Allez, il y en a pour tout le monde, buvez-en tant que vous voudrez. Il n'a jamais été aussi généreux avec nous, le roi. Pourquoi nous fait-il envoyer ce vin? Parce que nous avons réussi à vaincre ce sacré Ursus. C'est lui qu'on remerciera, alors. Qu'est-ce qui n'a encore rien vu, là-bas? Mais bois, vas-y. Mes enfants, je bois à notre santé, la mienne surtout. À ta santé. Ça doit être du bon vin, allez voir. En tout cas, ils ont l'air d'apprécier ça. On leur ferait avaler du vinaigre. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Mais je suis avec vous, vous le savez bien, oui, voyons. Dépêchez-vous. Je sais qu'on est des amis, mais la prudence est utile quand même. Tu vas te taire et tu vas monter là. Dépêche-toi. Ce que tu me suggères est ridicule. Je veux que nos noces soient célébrées le jour qui a été prévu. Tu ne peux m'épouser contre ma volonté. Et tu ne m'empêcheras pas de parler avec les consuls de Lycie qui sont à ta cour. À ma cour, on fait toujours la volonté du roi. Je n'apprécie pas énormément la façon dont tu prêtes au régner. La punition que tu as infligée à mes amis est injustifiée. C'est pour cela que tu refuses de m'épouser? Ils sont donc si chers à ton cœur? Ursus et Dario sont deux loyaux sujets. Ils m'ont toujours servi fidèlement. Ils se sont retournés contre moi. Mais c'est ridicule. Dario n'est qu'un petit garçon. Et le grand Zagros aurait peur d'un petit garçon? Je ne crains personne, sache-le. Apporte-en la preuve. Libère donc Ursus. Non.
Ton cher Ursus m'est trop utile en prison. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Par conséquent, souviens-toi qu'ils sont mes prisonniers. Qu'est-ce que cela signifie? Tu n'as pas compris? C'est une menace. Il les fera tuer si je refuse de l'épouser. Mais si tu acceptais, Syrah, c'est mon père qui mourra. Je sais. Oh, Lydia, si au moins je pouvais l'avertir. C'est pas de l'eau qui s'embue, j'ai du vin. Avec ce que j'ai mis dedans, ils dormiront jusqu'à demain. N'aie pas peur, Dario, nous sommes Agneau. Amis. Tu n'as pas bu de ce vin, non? Non. Bon, alors tant mieux. Tais-toi et viens avec moi. Allons-y, allez. Avancez! Pousse-toi! Avancez, chien! Maudit paresseux! Attendez-moi. Poussez! Tâche de surveiller ces canailles. Si tu veux éviter ici, t'es arrivé tout à l'heure chez le roi. Qu'est-ce qui est arrivé? Des misérables ont pénétré dans la prison et ils ont fait fuir un jeune garçon. Ça ne risque pas d'arriver ici. Je t'ai averti, c'est tout. Alors, on dort? Allez, avancez! Allez-y! Courage, Ursus. Attention! Attention! Travaillez, canailles, sinon je vous abats comme des chiens! Avancez, gredin! Dario. Hein, nous allons passer la nuit ici. Oui, et demain à l'aube, nous nous séparerons. Vous allez veiller sur notre bien-aimée princesse. Dario et moi allons retourner en Lycie. Altéos doit être averti au plus vite de ce que complote Zagros contre lui. Très bien, Ursus. Ce que tu viens de dire est grave. Tu te rends compte? Oui. Et je te répète que ta vie est en danger. Et qui dans mon palais a mission de m'assassiner lorsque ma fille aura épousé Zagros? Cela, Zagros n'en a rien dit. Tu ne me crois pas? Il vaut mieux accueillir ce genre de nouvelles avec la plus extrême prudence. Altéos, il n'y a plus de temps à perdre maintenant. Pour t'avertir, j'ai couru toute la nuit. Je t'en remercie. Alors il faut reprendre la parole donnée à Zagros. Oui. Il faudrait aussi lever une armée pour aller délivrer ma fille.
Mais alors, c'est la guerre contre la Carie que tu me pousses à déclarer. Non, ce qui t'y pousse, c'est la fourberie de Zagros. Ou ta jalousie, Ursus. Que dis-tu? Impossible de la cacher, car le roi sait aussi combien tu es amoureux de Syra. Oui, c'est vrai, pourquoi? Ursus, tu voudrais que je fasse annuler les noces de ma fille avec Zagros. Est-ce là ton but, Ursus? Cette idée est monstrueuse. Et qui est le monstre? Celui qui le dit ou celui qui complote? Explique donc à ton roi pourquoi tu as quitté la Carie. Tu oses m'accuser alors que c'est toi qui as ordonné que j'aille avertir Zagros du danger couru par Syra? Quoi? Je ne lui ai jamais donné un tel ordre. Menteur! C'est toi le menteur. Garde! Arrêtez-le! Athéos, tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. Qu'on le conduise à la prison. Mon roi, imaginez-vous qu'Ursus ferait quelques tentatives de ce genre? L'amour quelquefois fait commettre bien des bassesses, Lycurgue. Mais Syra trouvera-t-elle le bonheur à la cour de Zagros? Oh, tu peux en être certain. Je n'avais jamais vu son joli visage aussi lumineux, ni sur ses lèvres un sourire aussi radieux. Voici l'eau que tu as demandée. Comment te trouves-tu dans tes nouveaux appartements, Syra? Je suis prête à y passer le restant de mes jours, si cela m'évite de t'épouser. C'est parfait. Si vraiment tu y tiens, tu peux y finir tes jours. C'est à toi de le décider. Je ferai seulement ce que les dieux me dicteront de faire. Non. Tu feras ce que veut ton roi. Et sache que j'ai décidé que tu m'épouserais. Non. Cela, jamais. Mais si. Et plutôt que tu ne le crois. Gracieuse Syra, fille du très grand roi Altéos, puisse le jour heureux de notre mariage être béni par les dieux. Syra, princesse de Lycie, fille du roi magnanime Altéos, tu as masqué ton visage en un geste de pudeur virginale. Il faut maintenant que ton âme soit nue devant les dieux. Jure fidélité et soumission à celui qui est ton roi et ton seigneur. Je le jure. Grand roi Zagros de Carie, je te confie celle que les dieux t'ont choisie pour épouse. Défends-la, protège-la et que votre union soit féconde. Les cérémonies nuptiales sont terminées. Allez jusqu'en Lycie, messager, et apportez à Altéos la nouvelle que Zagros et Syra sont unis par les liens du mariage. Les rites sacrés nous ont unis pour la vie, adorable Syra. Tu es donc le seul héritier du trône de Lycie. Nul ne pourra le contester quand Altéos mourra. Tu es très rusée, Sabra. Certes, mais je ne pense à la ruse que pour te servir. L'amour et la dévotion en sont les causes. L'amour que tu te portes à toi-même, surtout. Comment peux-tu dire ça? Ce que j'ai fait, c'était pour toi. Ou pour toi?
Qui a rendu possible tous tes plans? Sans l'aide que je t'ai donnée, jamais tu n'aurais réussi. Oui, c'est vrai. Tu attends ton salaire, par conséquent. Tu espères vendre ton silence. C'est bien ça, n'est-ce pas? Il est vrai que tout se paye, mon cher Zagros. Tu crois? Je m'attendais bien à quelque trahison. Dis-toi que tu ne peux rien faire. Tu ne peux ni appeler les soldats de la garde pour me jeter en prison, ni me remettre aux mains de tes bourreaux. Tu dévoilerais ton sinistre jeu et tous tes efforts deviendraient inutiles. Je le sais. Mais je pourrais employer une autre manière. Non! Amos! Au secours! Non, Zagros! Non! 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 Regarde comme le peuple applaudit à l'annonce de ce merveilleux mariage. Veuillent les dieux que leur naïve allégresse se justifie. Ursus, vous a semé le doute dans le cœur. Cette mauvaise action mérite à elle seule qu'il pourrisse en prison pendant 20 ans. Fais-moi voir un peu. Je voudrais bien voir ce qui se passe. Mais il n'y a rien à voir, Dario. C'est la fête que vous entendez. On vient tout juste de leur annoncer que Zagros, le roi de Carie et Syrah avaient célébré leurs noces. Tu vas être content. Altéos remet en liberté une centaine de prisonniers. Avec un peu de chance, vous en serez peut-être tous les deux. Oh non, nous n'en serons pas. Il faut nous échapper. Zagros va faire assassiner Altéos. Et comment pouvons-nous empêcher cela, Ursus? Alors, en tout cas, c'est pas en restant ici qu'on pourra empêcher ce meurtre. Les astres ne te sont pas très favorables, Altéos. Je ne vous ai pas dit de les interroger pour moi, mais pour ma fille. Ce que j'ai lu dans le ciel est terrible, ô mon roi. Je n'ose t'en parler qu'ainsi, prosterné devant toi. Parle! Des larmes, Altéos. Des larmes pour ta fille et du sang sur toi. Il est sur la terrasse avec ses astrologues. Frappé dès qu'il sera seul. Viens vite, Ursus.
Toi seul, ô déesse immortelle, peux transformer le destin des humains. Le destin de l'humanité est écrit dans les astres. Parfois, il arrive que nous le lisions mal. L'essentiel est que vous m'appreniez toute la vérité telle que vous croyez devoir l'interpréter. De tout cœur, nous souhaitons que les dieux donnent tort à notre prophétie. Merci, mes amis. Vous pouvez vous retirer. On a entendu crier. Oui, j'ai entendu, c'est là. Ils ont tué le roi. Il vient de tuer Altéo. C'est lui qui l'a tué. Arrêtez-le. Ne le laissez pas s'enfuir. Tu désespères sans raison, je t'assure. Le gardien a probablement menti. Non, il a dit vrai, j'en suis sûre. Mon père est mort, Lydia. Zagros a réussi à exécuter ce qu'il complotait. Souviens-toi de ce que nous avait dit Dario. Mais Zagros ne peut faire valoir ses droits sur le trône de Lycie. Il faudrait qu'il t'ait épousé. Et qui peut dire le contraire? Nous deux, Lydia. Seuls les murs de notre geôle pourraient nous entendre. Nous arriverons bien à nous évader. Vivante, tu crois? Quand il aura réussi à atteindre son but. Il n'est pas homme à reculer devant un meurtre de plus. Non, Syra. Une rumeur circule ici. Ursus s'est enfui. Il est le seul homme au monde capable de m'aider. Je te souhaite la bienvenue dans le royaume de Lycie. Nos cœurs sont heureux de t'accueillir et cela en dépit de la tristesse profonde qui nous accable à la suite de la perte que nous avons subie. La mort de votre grand roi Altéos a été une dure épreuve pour moi. Et mon épouse n'a pu s'astreindre à m'accompagner. Elle est écrasée par la douleur. Dès aujourd'hui, les hommes de Lycie sont mes enfants, et leur bonheur sera ma seule préoccupation. Zagros, nous te sommes reconnaissants de n'avoir pas tardé à nous rejoindre, car un peuple sans roi est comme un corps sans tête. Assieds-toi donc sur le trône d'Altéos, car il aura ainsi le plus digne des successeurs. Eh bien, si telle est votre volonté. C'est notre volonté autant que ton privilège. Merci, mes amis. C'en est assez, Zagros! Les dieux ne permettront pas cette profanation. Arrêtez cet homme! C'est l'assassin d'Altéos! Qu'il parle! Laissez-le parler. Altéos est mort et je suis le seul qui sache qui a armé la main qui a poignardé notre roi bien-aimé. C'est toi, Lycurgue! Tu as accepté de servir Zagros pour l'aider à s'asseoir sur le trône de Carie! Cet homme a perdu la raison! Saisissez-le! C'est lui, l'assassin d'Altéos. Je l'ai vu quand il l'a poignardé. Écoutez-moi, soldat de Lycie. Beaucoup d'entre vous sont des vétérans de ceux qui combattirent avec moi les ennemis d'Altéos. Pourquoi l'aurais-je tué? Par vengeance? Tu supportais mal qu'il te refuse la main de Syra. Je vous demande de ne pas croire en moi seul, mais que les dieux révèlent où est le mensonge et où est la vérité. Choisissez pour moi les plus dures épreuves, et les dieux vous répondront. Je suis prêt. Moi, qui suis le roi de Lycie, je te refuse ce droit. Tu n'es pas encore le roi de Lycie, Zagros. C'est pourquoi c'est au ministre d'Altéos de décider. Ursus, tu seras soumis à des épreuves terribles. Que les dieux m'assistent si je suis innocent. Qu'ils me détruisent si je suis coupable.
L'épreuve du feu commence. Allez! Tu as subi cette épreuve du feu avec succès, Ursus. Il ne te reste maintenant que celle des lances. Thank you.
sans doute ton innocence, mais pas le bien fondé de tes accusations. Je répète ce que j'ai dit contre toi et Zagros. Attention, Ursus. Zagros est l'héritier légitime du trône de Lycée. Il faut nous dire sans détour pourquoi tu crois qu'il est coupable d'avoir fait assassiner Altéos. Je ne sais pas comment le prouver, mais je sais que c'est ainsi. Mon frère l'a entendu exposer ses plans de meurtre à Sabra. Voyons, les raconteurs d'un enfant n'ont aucune valeur. C'est ce que tu disais, Altéos. Altéos t'a écouté. Il a suivi tes conseils, il en est mort. J'ai fait prévenir de tout ça certains amis que j'ai en Carie. Ils savent, eux, la traîtrise de Zagros. Hein? Tu as osé faire une chose pareille? Ursus, mais c'est la guerre contre Zagros. N'espérez jamais ni amitié ni loyauté de Zagros. Il est venu à nous avec une escorte pacifique, mais il a eu soin de se faire accompagner par ses troupes qui campent à quelques lieues d'ici. Tu as parfaitement raison, Ursus. Mais c'est un peu tard pour vous. J'ai l'avantage de la surprise. Zagros, tu es un traître. C'est un ignoble traître. Je n'ai pas cru Ursus et j'ai eu grand tort. Tu es en notre pouvoir. Nous saurons comment te faire payer. Tu es un loyal ami, n'est-ce pas? Thank you.
Je vous remercie, ami de Cari. Je vous remercie. Par amour de la justice, vous nous avez libérés et reconduits tant ici parmi les nôtres. Quelle récompense puis-je vous offrir? Mais aucune, Syrah. Nous sommes déjà récompensés. Notre but est atteint et le mérite en vient à Ursus. Notre peuple était opprimé. Nous sommes libérés de notre tyran. À toi, je ne saurais que donner, Ursus. Car ton mérite et ton courage sont bien trop grands. La reine de Lycie elle-même est incapable de récompenser cela. Je n'ai plus qu'un vœu à former, Syrah. Celui de te servir de toutes mes forces. Et pour toujours, fidèlement. Comme par le passé, quoi qu'il arrive, je serai prêt à mourir pour ma reine. As-tu quelque chose à me demander? Oui, Ursus. De vivre à mes côtés. Et de régner avec moi sur mon peuple. Ô reine, ton peuple te réclame.